Salut à tous, bonjour Nadia Lem. Bonjour France. Vous avez décidé de débuter la course à pied, ou bien vous êtes un coureur confirmé et avez décidé de repousser vos limites, voire de préparer une course, un 10 km, un semi ou un marathon. C'est une première pour vous ou vous souhaitez peut-être battre votre chrono. Que vous soyez un coureur débutant ou confirmé, cet objectif est un vrai challenge pour vous. Dans cette vidéo, nous allons parler motivation et fixation d'objectifs avec Nadia Lem pour vous donner les clés pour atteindre votre but. Tout d'abord, Nadia Lem, pourquoi c'est important de parler motivation quand on parle de course à pied? Parce qu'améliorer ses performances en course, c'est un projet qui demande du temps, de la patience, de la rigueur, des aptitudes physiques, mais également des habiletés mentales. Si vous êtes inscrit pour une course, votre participation à cette course est la partie visible de plusieurs mois de travail d'effort. La route sera longue avant de se retrouver sur la ligne de départ. Ok oui, alors si on prend les choses par le début, déjà est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que la motivation? De quoi on parle exactement? Est-ce qu'il existe plusieurs types de motivation? Oui, la motivation se définit comme l'ensemble des forces internes et ou externes qui produisent le déclenchement, l'intensité, la direction et la durée d'un comportement. Il faut donc prendre en compte ces paramètres de force. Les forces externes sont liées à des éléments extérieurs, à des conséquences telles que la récompense, un événement ou de faire plaisir à quelqu'un. On parle alors de motivation extrinsèque. Les forces internes correspondent à ce que vous ressentez quand vous courez. L'intérêt pour l'activité, les sensations, le plaisir, l'accomplissement de soi, le dépassement de soi. L'activité en elle-même est source de satisfaction. C'est une motivation dite intrinsèque, qui s'avère d'ailleurs plus efficace que la motivation extrinsèque, car elle renforce l'autonomie, qui est un facteur important pour améliorer votre performance. Il est nécessaire de définir son type de motivation pour pouvoir travailler dessus. La motivation est une habileté mentale que l'on peut améliorer. Comme un muscle finalement, on peut travailler sa motivation. Comment est-ce qu'on peut l'améliorer et faire en sorte de la garder sur le long terme? Alors pour optimiser sa motivation, la première chose est de se centrer sur soi, sur ses ressentis, ses envies, ses besoins. C'est le meilleur point de départ. Premièrement, il faut définir le sens que l'on donne à la course. Si vous avez décidé de participer à une course, ce n'est pas pour rien. Peut-être que c'est un projet que vous aviez en tête depuis un certain temps, mais que vous n'aviez jamais pu concrétiser. Peut-être que vous aimez vous challenger et repousser vos limites. Ou peut-être que vous recherchez à vous accomplir, à assouvir un besoin de reconnaissance. Identifiez et gardez cette raison précieusement dans un coin de votre tête. C'est votre moteur. C'est à elle que vous pourrez vous référer quand le doute ou la fatigue, la lassitude feront leur apparition. Elle redonnera du sens à votre pratique. Alors, pour donner un exemple concret de ce que tu expliques, on a interrogé Arnaud, une connaissance qui a déjà couru des Ironman, des triathlons sur de longues distances, donc des compétitions très exigeantes. Et lui, voilà ce qui le motive. Ma motivation ultime, c'est, je crois, autour de l'image de soi. L'image de soi pour soi, me prouver que je peux faire des choses, et l'image de soi vis-à-vis des autres, se faire remarquer, se faire admirer. Est-ce que c'est un bon exemple pour illustrer ce travail de questionnement? Oui, tout à fait. Il s'est posé la question de qu'est-ce qui me motive au fond, et c'est ce que vous devez faire. Ok, donc finalement, il me suffit de définir la raison pour laquelle je cours, ou je m'inscris à une course, et est-ce qu'il ne faut pas aussi me fixer des objectifs un peu plus concrets? Si, c'est vrai. Choisir et se fixer les bons objectifs peuvent faire la différence. Fixez-vous des objectifs SMART. Ce sont des objectifs spécifiques et subjectifs, mesurables, atteignables et ambitieux, réalistes et temporels. La réussite d'une course à pied dépend du plan d'entraînement que vous allez prévoir, par exemple avec votre coach. Ce plan d'action devra intégrer des cycles qui comprendront des objectifs SMART, progressifs, en lien avec la performance à atteindre. Et si vous n'avez pas réussi à atteindre votre objectif, ne le prenez pas forcément comme un échec, mais réfléchissez plutôt aux raisons et modifiez votre objectif. Peut-être que vous aviez tout simplement mis la barre trop haute. Peut-être que vous êtes dans une période professionnelle intense qui ne vous permet pas de récupérer comme vous le devriez. Pour se donner un exemple concret d'objectif SMART, ça pourrait être se fixer un chrono sur une distance donnée et dans une période définie, c'est ça? Par exemple, je veux réussir à courir 10 km en une heure dans 3 mois. Oui, c'est tout à fait ça. Ok, donc maintenant que je sais pourquoi je cours, je me suis fixé un ou des objectifs SMART. Est-ce qu'il y a d'autres astuces pour conserver sa motivation? Oui, bien sûr. Une autre technique consiste à visualiser l'état présent, l'état désiré et les obstacles. Ok, c'est pouvoir se projeter, quoi, en quelque sorte. Avoir une vision de ce que l'on veut obtenir. Exactement. La capacité à se projeter, à se voir en train de courir, à visualiser le résultat et la satisfaction est une habileté mentale importante dans la performance. En partant de votre état de forme actuel, d'où vous êtes aujourd'hui, l'état présent,
Visualisez la situation future, la situation désirée, c'est-à-dire vous en train de courir comme vous le désirez. Observez ce qui se passe à l'intérieur de vous, vos sensations, vos émotions. Prenez le temps d'apprécier ce moment et maintenant imaginez les obstacles, les freins que vous pourriez rencontrer et pensez aux solutions. Imaginez également ce qui va vous permettre d'arriver à cet état désiré, vos ressources. Notez tout ça dans votre plan d'action. En faisant cela, vous préparez mentalement votre cerveau à faire face aux difficultés. C'est très intéressant. Alors, si on se parle maintenant plus concrètement des entraînements, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place dans ces entraînements qui vont favoriser la motivation ou bien nous aider à la retrouver si on l'a perdue? Ça peut arriver. Oui, un conseil très important est de mettre en place des routines. Les routines sont des habitudes que l'on prend pour être performant. Ces routines sont personnelles et sont là pour vous aider à vous concentrer et à mobiliser votre énergie, à vous apporter du positif. Elles peuvent être en lien avec l'alimentation, par exemple. Manger un plat particulier avant une compétition, prendre une collation spécifique, écouter de la musique, faire son sac à un moment précis de la journée, avoir un échauffement type. Nombreux sont les sportifs de haut niveau qui ont des routines. Est-ce que tu penses que diversifier ses entraînements, ça peut aussi être une bonne astuce pour retrouver de l'envie et du plaisir à s'entraîner? Oui, complètement. Si vous commencez à vous ennuyer et à faire les mêmes entraînements, n'hésitez pas à changer. Changer d'activité et en découvrir une nouvelle. Tant que vous êtes dans le respect de votre but, tout est possible. Par exemple, vous pouvez participer à une séance de boxe qui vous permettra de travailler votre cardio, mais également votre résistance à l'effort. Ou si vous avez besoin de vous détendre, de récupérer, vous pouvez tester le pilates. Ou le yoga. On voit souvent des groupes de coureurs dans les rues et en interrogeant ce fameux Arnaud dont je vous parlais tout à l'heure, il me disait que ce qui l'avait motivé lorsqu'il préparait sa course, c'était de suivre la même préparation qu'un de ses copains et que ça leur avait permis de se soutenir, de débriefer leur séance ensemble. Tu en penses quoi, toi, de ces entraînements à plusieurs? C'est une super idée pour vaincre la baisse de motivation. La course à pied, c'est beaucoup d'efforts, de contraintes. Participez à un maximum de séances collectives. N'attendez pas de baisser en motivation pour cela. Il est toujours bon de se sentir soutenu et porté par le collectif. Ouais, c'est vrai. Bon, là, on s'est parlé motivation long terme et comment la garder. Mais parfois, souvent même, le problème de motivation est plus immédiat. On a une baisse de motivation soudaine et aucune envie d'aller au sport. Est-ce que c'est normal et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Oui, il arrive parfois de ne pas trouver l'énergie pour aller à la salle de sport ou pour courir. N'est-ce pas? Pas envie. Mais il arrive aussi de ne pas avoir envie d'y aller, mais d'y aller quand même. Et une fois la séance débutée, l'envie et la motivation apparaissent. La motivation peut apparaître spontanément. Alors, dès que le manque d'envie ou la fainéantie sont là, il ne faut pas trop se poser de questions. Ne rentrez surtout pas chez vous, allez faire du sport directement. Compris. Bon, il peut aussi arriver qu'on arrive à saturation, on ne ressent plus du tout l'envie. C'est arrivé par exemple à Arnaud après sa compétition. Une fois qu'il a atteint son objectif, il a ressenti comme la fameuse petite mort et il a levé le pied. Qu'est-ce que tu conseilles dans ces cas-là, quand on sature concrètement? Ben, c'est qu'on manque de plaisir en fait. Et sans le plaisir, comment peut-on conserver sa motivation, son envie? Parfois, il est possible d'arriver à saturation par excès de sport. Ça peut venir du corps qui ne suit plus, nous lâche, ou du mental qui n'arrive plus et ne trouve plus aucun levier motivationnel. Ça arrive même aux plus grands des champions. Après avoir fait tant d'efforts, le corps s'épuise et ne veut plus. Il ne reste alors plus qu'une solution, le repos. Faire une pause pour laisser son corps et son cerveau récupérer. Il n'y a pas de honte ni de culpabilité à avoir. Il faut surtout faire preuve d'indulgence et de patience avec soi-même et accepter d'offrir à son corps une parenthèse, un repos ou faire une autre activité. Et quand le manque de sport reviendra, alors ça sera le signe que votre corps sera prêt à reprendre le sport. Merci beaucoup, Nodjalel. Donc si je devais résumer tous tes conseils, je dirais que pour garder sa motivation, il faut commencer par définir la ou les raisons profondes pour lesquelles on court, se fixer des objectifs smart et se visualiser pendant la course. En cas de baisse de motivation, ça peut arriver, on peut se rappeler ses grands objectifs et on peut aussi utiliser d'autres astuces comme mettre en place des routines, s'entraîner à plusieurs ou bien varier ses entraînements. Maintenant, plus d'excuses, vous avez toutes les clés pour passer la ligne d'arrivée à votre rythme. Alors à vous de jouer.